Anton Mukro. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à Stéphane Bouddhi. J'ai enfin compris ce que faisait Benari dans sa prison dorée en Arabie Saoudite. Il joue donc avec votre jeu vidéo que vous voulez faire à 15 ans. On m'a demandé, on m'a un peu laissé libre sur le contenu de la présentation. Donc en fait, mon parcours est dans le domaine de l'informatique. Je suis ingénieur informaticien de formation. J'ai énormément travaillé, en fait, j'ai fait des logiciels dans ma vie. Et j'ai créé une entreprise à Tunis qui développe des logiciels pour les banques. Et la société qui est d'autres entreprises à Paris et à Londres qui commercialisait ces logiciels. Et cette entreprise, ensuite, je l'ai vendue à des groupes internationaux qui sont toujours installés à Tunis. On a plus de 500 personnes à Tunis actuellement. Par contre, le réseau est mondial. Et cette expérience, en fait, je l'ai eue, elle a démarré moi, j'ai quitté pré-bac la Tunisie pour faire des études en France, envoyé par l'État tunisien, aussi en prépa, quand vous êtes passé par la prépa en Tunisie. Et j'avais recruté ensuite, quand je suis revenu en 1998, j'ai créé ma société, j'ai recruté beaucoup les ingénieurs, alors l'ANSI, qui est l'école informatique, mais aussi, je me rappelle très bien, de l'ENIS. Donc il y avait une très très bonne idée de l'école, parce que les ingénieurs qu'on recrutait de cette école étaient très bons, comme l'ENIC à Gabès. Et donc quand on m'a invité, j'étais ravi de venir et d'avoir l'occasion de rencontrer quelques-uns d'entre vous. Je suppose que vous vous représentez, parce qu'on m'a dit qu'il y a 100 personnes ici, un petit pourcentage de la taille de l'école. Et alors, à l'époque, j'avais analysé que le monde du logiciel, je sentais, après avoir essayé, bien sûr, qu'il n'y avait pas grand-chose qui différenciait la qualité, en termes de connaissances techniques, des ingénieurs tunisiens, de ce que je vivais et j'avais vécu en exerçant mon métier dans le monde. Je dis bien technique. Il manquait beaucoup de choses en termes de communication, de capacité de, je dirais, connaissance du monde business, etc. Mais sur le plan technique, les ingénieurs tunisiens, vraiment, il y avait une chance. Donc en fait, on a passé les 10 années qui ont suivi à faire en sorte que les Tunisiens s'intègrent et complètent cette formation technique par une très bonne connaissance métier et ensuite, bien sûr, tous les skills, au nom de forme d'Angleterre, qu'il faut pour pouvoir communiquer avec des Anglais, des Américains, des Italiens, des Singapouriens, etc. Et aujourd'hui, je suis ravi de constater dans le groupe où j'étais qu'il y a vraiment des Tunisiens partout dans le monde qui font carrière. Donc, ce monde-là, je l'avais analysé et je voyais qu'il y avait vraiment un avenir à cette industrie software qu'on qualifie plutôt de near-shore, pas offshore. C'est-à-dire, en fait, une industrie qui nécessite de la proximité, de la communication fréquente et rapide avec les clients. Et donc, dans toute analyse de l'avenir, il est important de comprendre son environnement. Et dans l'organisation dans laquelle je suis actuellement, parce que je suis lié à complètement autre chose, on regarde quel est l'avenir de la Tunisie. Comment la Tunisie, les 10 prochaines années, les 15 prochaines années, peut prendre la bonne, on dit dans le monde business, la bonne vague, c'est-à-dire en fait comprendre ce qui se passe dans le monde, et notamment dans le monde environnement, surtout bien sûr là où on vit, dans le Maghreb et en Afrique, mais aussi surtout par rapport à notre plus grand marché de proximité de l'Europe, pour qu'on s'oriente et qu'on mette en place les plateformes qu'il faut pour que la Tunisie puisse aller de l'avant. Donc j'ai choisi, j'ai choisi de vous présenter notre vision sur ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle. Alors comme vous savez, la deuxième révolution industrielle, c'est la révolution ce qu'on appelle de l'énergie fossile. À partir de 2007, le pétrole a dépassé 70 dollars. Actuellement, il est à 110 dollars et ça nous coûte énormément cher en Tunisie. Et en fait, tous les prix, on
dit Valenmeij, l'une des causes, c'est le pétrole. Tous les prix se sont emballés depuis 2007. Pourquoi? Parce que tout dépend du pétrole. L'agriculture dépend du pétrole à cause de l'utilisation des engrais, les matériaux de construction dépendent du pétrole, les produits pharmaceutiques dépendent du pétrole, les vêtements, les tissus synthétiques, c'est du pétrole, les moyens de transport, l'électricité, le chauffage, l'éclairage, tout repose sur l'énergie fossile. En 2008, le blé, son prix a presque triplé, le riz a quadruplé, le soja alors, donc en fait, le blé est cher à la production. Pourquoi? Parce que ce que mange le bétail dépend aussi. Alors là, il y a deux raisons. Les États-Unis se sont mis à produire de l'éthanol comme énergie pour remplacer l'énergie fossile. Et donc les prix, les terres qui étaient dédiées au soja et l'argent, le nombre, la taille a diminué, les prix se sont emballés. Donc en fait, la véritable cause de l'effondrement économique, tout le monde pense à la dette, à la finance, etc., derrière, c'est le pétrole. Alors. Pour qu'on s'entende, c'est que le pétrole disponible, il y a toujours du pétrole, il y a toujours de l'énergie fossile, mais il a atteint son pic depuis 1979, la deuxième révolution industrielle. Et nous consommons depuis quelques temps 3,5 fois ce que nous découvrons. Donc, en fait, c'est une énergie qui s'atténuise dans le temps et dont le prix va continuer à s'envoler. Alors, le gaz naturel suit le pétrole, le charbon, évidemment, avec ses risques, le gaz de schiste avec toute la polémique que vous avez entendu en Tunisie. Les États-Unis aujourd'hui sont en train de pousser beaucoup le gaz de schiste pour être autonome, mais il représente un certain nombre de risques et il est tout de même assez cher à l'extrême. Et donc, en fait, au-delà de tout ça, nous avons évidemment tous les problèmes d'environnement que vous connaissez, dus à l'énergie fossile depuis 200 ans. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la vision du futur? Nous avons imaginé tout cela à travers il y a toute une équipe. L'Europe est assez en avance pour la vision d'avenir sur les énergies parce que l'Europe n'a pas d'énergie finalement. Donc en fait, ils sont obligés vraiment de s'adapter. Et l'une des idées était de dire, c'est vrai que les technologies d'information Internet, en eux-mêmes, c'est pas une révolution. C'est une petite secousse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de révolution dans l'histoire des êtres humains sans rapport avec l'énergie. L'énergie est primordiale pour qu'on change le mode de vie. Donc en fait, aujourd'hui, il y a le lien énergie et communication est très important pour pouvoir projeter ce qui va se passer dans le futur en termes d'énergie, de troisième révolution industrielle. L'idée de base est de dire les technologies de communication vont aider à la troisième révolution industrielle, mais il faut les lier à l'énergie. Quels sont les piliers? Les piliers, tout d'abord, le premier, c'est le passage aux énergies renouvelables. Les énergies renouvelables sont des énergies propres, des énergies disponibles, donc il faut passer aux énergies renouvelables. Ensuite, le parc immobilier. Le parc immobilier, c'est en fait, pourrait être un réseau de micro-centrales électriques. C'est-à-dire chaque bâtiment peut capter d'énergie renouvelable et l'utiliser pour sa consommation propre. Et il peut, en plus, l'emmagasiner. C'est-à-dire, la journée, quand un bâtiment fonctionne, par exemple, si ce n'est pas une usine qui fonctionne 24 sur 24, une banque, c'est un bâtiment qui est assez énorme, l'été, il consomme beaucoup en termes de climatisation, en termes d'électricité, mais la nuit, c'est une micro-centrale électrique qui peut servir qui peut servir comme étant une source d'énergie. Donc, je suis consommateur à l'instant T et je peux être producteur pour d'autres à un autre instant. Donc, pour pouvoir le faire, il faut emmagasiner l'énergie et savoir le faire. Les technologies d'hydrogène se développent. Ensuite, à l'instant T, réseau électrique, il faut aussi que grâce à des technologies comme Internet, on sache dans un réseau quel est l'état, est-ce qu'on est vert ou rouge, est-ce qu'on est en train de consommer, est-ce qu'on a besoin d'énergie qu'on doit distribuer ou est-ce qu'on peut fournir et on est producteur d'énergie. Et enfin, les moyens de transport aussi doivent évoluer et aller de plus en plus vers l'électrique. Ça, ce sont les cinq piliers sur lesquels va se reposer la troisième révolution industrielle
et j'en arrivais à la fin, pourquoi on dit c'est important pour notre pays, pour voir comment il va en profiter. Alors, les énergies renouvelables, pour ceux qui peut-être ne les connaissent pas bien, donc en fait l'énergie solaire, bien sûr, le soleil, l'éolien, là où il y a du vent partout, l'hydroélectrique, donc grâce à l'eau, on peut générer l'électricité, c'est ce qui est le plus développé aujourd'hui, le géothermique, donc tout ce qui est la chaleur qui est en dessous de la Terre en profondeur, et la biomasse et la transformation de tout ce qui est déchets. Alors, je vais peut-être... Je ne me rendais pas compte qu'ils étaient... Je vais tout mettre d'un coup, comme ça, on ira plus vite. Voilà. Donc, en fait, avant, les énergies renouvelables n'étaient pas assez développées parce qu'elles coûtaient cher. Elles coûtaient cher à la production, elles coûtaient cher au développement. Et là, aujourd'hui, à la limite, non seulement les technologies se sont développées, mais aussi le prix des énergies fossiles a tellement augmenté que le différentiel devient suffisamment peu important pour s'intéresser de plus près aux énergies renouvelables. Pardon, je ne peux pas revenir. Voilà. Le Canada. Le Canada est un pays où il y a énormément d'eau. Et donc le Canada utilise l'énergie hydroélectrique. 60% de l'énergie canadienne, malgré le fait qu'ils aient du pétrole et du gaz, est maintenant à l'hydroélectrique. La géothermie est encore peu exploitée, parce que c'est assez difficile. J'en prends pas le risque d'aller sous terre, comme d'ailleurs c'est le même problème avec le gaz de schiste. La biomasse, par contre, commence à se développer. Moi, j'ai vécu, même dans les années 90 en France, je faisais la thèse. La plupart des piscines étaient chauffées grâce à l'incinération des déchets, en fait, des ménages dans la ville. Et c'est comme ça qu'on chauffe les piscines dans la plupart des quartiers, dans les banlieues de Paris. Alors, pourquoi l'énergie renouvelable est importante pour nous? En Allemagne, tout ce qui est traditionnel avait créé, regardez une période donnée, 260 000 emplois sur une période de 5 ans. En 2007, les énergies renouvelables, maintenant, sont à plus de 249 000 emplois. L'Espagne a énormément développé l'énergie renouvelable quand ils ont eu leur pic, bien sûr, aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes. Je me rappelle cette chaîne de NHOTEL, j'y allais souvent en Espagne, c'est assez impressionnant. Vous rentrez dans l'hôtel et vous avez une carte en termes de consommation d'énergie, fidélisation de consommation d'énergie. On vous dit à la sortie, voilà ce que vous devez payer en argent. Et si vous avez consommé moins d'énergie, donc globalement au sein, pendant votre séjour, vous cumulez des points et on vous réduit l'argent sur votre facture. Et tout est calculé. Qu'est-ce que vous avez allumé comme lumière, combien de temps vous avez passé devant la télé, qu'est-ce que vous avez utilisé comme climatiseur, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment une nouvelle culture. Alors, on s'est intéressé... en Europe, aujourd'hui, ils ont énormément investi, ils ont 190 millions d'habitants, de bâtiments. Ils se projettent que sur les 30 ans à venir, s'ils commencent à rendre ces bâtiments comme des bâtiments actifs, il y aura énormément de création d'emplois en Europe. Et la Sicile, qui n'est pas si loin que ça, a fait un plan stratégique aujourd'hui pour regarder comment ils vont aller vers la troisième révolution industrielle. Et ils ont considéré qu'il y a plus de 36 000 PME. Donc ce plan a commencé à être étudié, bien sûr, il commence à peine à être déployé, pourraient en profiter, que ce soit le bâtiment, le cabinet d'architectes, les sociétés, etc., avec l'objectif de produire le tiers de leurs besoins en énergie en Sicile grâce à ces technologies. Alors, pour tout ce qui est, bien sûr, comment on emmagasine, c'est la technologie d'hydrogène. Alors l'Europe, là-dessus aussi, a fait énormément de recherches. Ils ont fait beaucoup de projets en termes, bien sûr, étatiques et publics, mais surtout en PPP, donc en partenariat public-privé, où ils commencent, vous allez être surpris, en 2015-2016, surtout les fabricants de voitures, Mercedes va commencer à sortir des voitures complètement électriques grâce aux technologies d'hydrogène, et l'Europe va surprendre un peu le monde là-dessus, parce qu'ils ont vraiment une largeur d'avance par rapport au reste. Alors pourquoi l'Europe? Alors l'Europe a démarré une stratégie 20-20-20 en 2020, c'est-à-dire il voulait faire réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020 par rapport à 90, accroître de 20% les économies d'énergie un peu partout en Europe, et élargir de 20% le déploiement des énergies renouvelables. Ils vont y arriver.
Malheureusement, on a vu même certains pays ralentir le rythme, comme l'Espagne et l'Italie, parce qu'ils sont même en avance, pour y faire plus, ça leur coûte, donc ils ont ralenti un peu le rythme. Ils se sont engagés en 2007 en faveur de cette troisième révolution industrielle, et le plan, c'est pas un plan juste de changement climatique, mais c'est un plan vraiment pour une ère post-carbone. Pourquoi l'Europe est plus avancée que les États-Unis, le Japon et la Chine? Ça, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, il y a quand même aujourd'hui une bagarre, il y a un problème avec le capitalisme dans le monde. Il y a un passage entre le capitalisme vertical, c'est-à-dire en fait, j'investis, je décide à un certain niveau, et ensuite, j'exécute. On est en train d'aller vers le capitalisme horizontal, où en fait, c'est des poches, on distribue en fait la richesse et la création. Et il y a un problème aussi derrière, qui est un problème du mode politique. Aux États-Unis, le pétrole est en train de devenir ce qu'on appelle une legacy, c'est-à-dire il y a tellement de lobbyers, il y a tellement de lobbying, il y a tellement d'intérêts financiers qui bloquent le développement des énergies renouvelables et des énergies vertes, alors qu'en Europe, ils n'ont pas ce problème. En Asie, ils ont un autre problème. Il y a tellement, je dirais, un niveau de pauvreté tel en Chine, qui sont encore dans la deuxième révolution industrielle pour pouvoir faire travailler des gens qui ne sont pas étudiés. Donc il y a un nouvel état d'esprit qui est en train de s'installer et la notion de PIB va être revue et la manière de mesurer complètement revue. Alors, c'est la dernière occasion pour créer des millions d'emplois aussi industriels. Vous savez que dans le monde occidental, quand j'avais les chiffres de 1995-2002, 31 millions d'emplois industriels ont disparu chez les pays les plus riches. Pourquoi? Parce qu'on automatise, on robotise. On a moins besoin de main-d'œuvre dans l'industrie classique. Maintenant, pour tout ce qui est énergie, pour tout ce qui est troisième révolution industrielle, il va falloir créer une infrastructure, il va falloir créer des panneaux solaires, il va falloir créer des éoliennes, il va falloir installer des bâtiments. Donc il va y avoir sur les 40 prochaines années beaucoup d'opportunités d'emploi et d'évolution technologique dans ce domaine-là. Quelles sont les qualifications? C'est pour ça, en m'adressant toujours à des étudiants, je reviens un peu, quels sont les créneaux sur lesquels vous pouvez vous orienter et vraiment, je dirais, vous concentrer. Tout ce qui est nanotechnologie, tout ce qui est petit, est important. Biotechnologie, les sciences de la Terre, l'écologie, la théorie des systèmes. Et pour ça, il va y avoir beaucoup de choses. Commercialisation en rente des technologies d'énergie renouvelable, transformation des bâtiments en mini-centrales électriques. Alors, j'étais impressionné parce que moi, je regarde chaque fois que je vais, je fais beaucoup de terrain dans mon activité actuelle. C'est vrai que c'est très en avance sur tout ce qui est... J'ai comme l'impression que les panneaux solaires, rien que pour le chauffage d'eau, c'est vrai que c'est peut-être la ville la plus équipée en Tunisie. Rien que par l'œil. Je n'ai pas les chiffres, mais je suis certain que c'est vrai que c'est la plus équipée et elle équipe tout le Sahel aussi derrière. Ensuite, évidemment, toutes ces technologies-là, pourquoi? Parce que on a une chance d'être à 150 km de l'Europe. Et en fait, nous, dans notre projection du futur, on en a marre d'être des suiveurs. On ne sera pas des suiveurs sur cette troisième révolution industrielle. Nous devons être acteurs. Nous sommes, en fait, au sud d'un continent qui fait 500 millions d'habitants, qui est 8 fois plus riche que nous. Et ils sont en avance pour la troisième révolution industrielle. Pour une fois, prenons le train tout de suite. Prenons le train tout de suite parce qu'en fait, l'Europe aura besoin de nous. L'Europe, la moyenne d'âge est 42 ans aujourd'hui. L'Europe vieillit. Tunisie, la moyenne d'âge est de 29 ans. Nous avons beaucoup de jeunes, des jeunes éduqués, et nous sommes capables de prendre cette vague et de surfer dessus pour les 30-40 ans à venir. Nous pouvons négocier un win-win deal avec l'Europe, et c'est ce qu'on est en train de commencer à faire pour la prochaine échéance, j'espère. Donc en fait, nous pouvons négocier avec l'Europe le fait de prendre cette vague et de pouvoir nous connecter, parce que nos réseaux électriques ne sont pas connectés aujourd'hui, et tout ce qui se ferait en Tunisie, l'Europe pourra en profiter, et vice-versa. La société civile européenne est très active, de plus en plus. Elle aide beaucoup la Tunisie et la société civile va prendre de plus en plus de poids. Comme vous savez, la société civile, par exemple en Europe, emploie 15% des gens. Et donc la mesure n'est plus que dans le capital matériel, elle est aussi dans le capital social et l'Europe pense beaucoup au Maghreb par rapport à cela. Alors, aujourd'hui, je pense, l'idée est de dire nos pays n'ont pas assez profité de cette deuxième révolution. Nos ingénieurs, nos capacités, nos élèves ingénieurs, nos techniciens doivent de plus en plus s'intéresser à ce qui se passe dans notre environnement et surtout principalement en Europe parce que 70% de nos échanges sont avec l'Europe et nous pouvons vraiment faire développer ce pays nettement plus rapidement si on sait profiter de cette troisième révolution. Je vous remercie.
De ma part et de la part de ce public massif,